Bonjour et bienvenue à votre séance de Barefoot Fusion. Aujourd'hui, on va faire un peu de pilates et un peu de yoga ensemble. Tout ce que vous auriez besoin, c'est votre corps et un tapis. On va commencer debout, aligner les pieds sous le bassin, parallèle l'intérieur du pied. Ancrez bien les orteils, penchez vers l'avant, le coccyx légèrement. Et on va juste commencer en amenant les épaules vers les oreilles. En haut et en arrière, expire par la bouche, inspire par le nez. Tirez le nombril vers le dos. Encore une et expire. Et puis maintenant vers l'avant. On va rajouter un peu des coudes avec. Deux. Trois. Et quatre. Fléchissez les jambes, descendre des mains ensemble devant les genoux. Et en inspiration au-dessus de la tête, levez le regard et on va appuyer dans les paumes au-dessus de la tête. Expire en bas, inspire en haut. Expire en haut. Expire, fléchis les jambes, inspire en haut. Trois. Deux. Et on va ancrer bien les paumes ensemble et on va pencher vers le côté droit et on va aligner bien les épaules. Un, deux et trois. Expire, on va laisser tomber la main droite et on va remuer la peau. Deux. Et trois, et changez de sens, relâchez l'épaule, regardez vers le sol. Et en inspiration, on va se redresser, ancrez bien les paumes ensemble, penchez vers le côté gauche. Alors, retirez l'épaule droite, deux, et trois, quatre, cinq, expire, relâche la main gauche plutôt. Et remuez, remuez la peau, changez de sens, regardez vers le sol. Super, et en inspiration, on va rejoindre ça. Inspirez, tirez les bras, et en expiration, on va pencher vers le côté droit à nouveau, mais on va amener le coude gauche vers la taille. Tirez le bras gauche, tirez le coude vers la taille et on penche en même temps. 3, inspire, expire, 4, inspire, expire, 5, inspire, passez les mains en arrière et vers l'avant, relâchez les bras un instant, expire ici. En inspiration, encore une fois, les bras au-dessus de la tête, tirez les deux mains, les deux bras tendus, mais les épaules loin des oreilles, vers le côté gauche. Et on va tirer le coude droit vers la taille. Inspire, penchez, tirez. Expire, revenez. Inspire, allongez. Expire, creusez. Trois. Quatre. Et cinq. Expire, inspire les bras au-dessus de la tête, expire les mains devant les épaules et pousse vers le haut. Avancez le coccyx, retirez le nombril et on va tirer le coude gauche derrière. Et jusqu'on est derrière, on va regarder avec la tête et on va tourner vers le côté gauche et avancer la hanche gauche vers l'avant. Et on revient. On inspire, on tire le coude. Et puis on regarde le coude. On ouvre. Et puis on expire. On revient encore deux fois. Coude, regarde, ouvre, expire. Coude, regarde le coude, ouvrez. Et expire la dernière fois. Coude, regarde le coude. Et ouvrez. Et fermez. Passe le coude droit. Regarde. Ouvrez et fermez. Revenez avec un plateau dans les mains, les coudes serrés, les épaules en arrière, coccyx vers l'avant. Expire ici. Expire. Inspire, passez le plateau vers le côté gauche.
Les mains sont égales. Il n'y a pas des doigts qui avancent ou qui retirent. Expirez, venez. Inspire, côté droit. Expire, venez. Inspire, on devient grand. Expire, revenez. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Relâche les mains. Inspire des mains au-dessus de la tête. Et tirez le regard vers le haut. Expiration. Gros plongeon. Les mains. Premier fléchis des jambes. Vertèbre par vertèbre par vertèbre. Les mains trouvent le sol. Et on va partir sur les mains direct. En, comme un espace de planche. On va avoir les genoux pliés à 90 degrés, le dos parallèle au sol. On retire le nombril, les orteils activés ici. On va retirer le nombril maximum. Comptez. 2, 3. Les genoux sont à environ 5 cm du sol. Voilà, c'est une petite chaleur accumulée dans les abdominaux et les cuisses. Et en expiration, on va attirer les genoux et on va retourner les pieds. Expire ici. En inspire, creusez le dos, retirez les épaules, levez le menton, levez le coccyx. Comme vous voulez, toucher le sommet de la tête au coccyx. Et en expiration, remontez le nombril de pieds. Poussez dans les mains, séparez les omoplates. Encore une fois, inspire et expire ici. Inspire, on revient à neutre. On va tourner le tibia vers le côté droit et on va tendre la jambe gauche et on va décoller la main gauche. Alors, la main droite, c'est sous, directement alignée avec l'épaule, sous l'épaule. On peut la voir. Et on va décoller, on flex le pied gauche et on va pointer, toucher. Décoller, pointer, toucher. Décoller. Pointez, touchez, alignez bien les hanches verticales. 4, 5, 6, 7 et 8. On va rester ici, sauf qu'on va pointer et on va pousser. 1, 2, la hanche, les obliques de côté, doigts bien levés. 4, 5, 6, 7, et 8. Expire la main gauche sur le sol et on va réaligner le tibia droite, mais on va garder le pied gauche levé ici. Et on va toucher le sol et on va monter. 2. Expire. Inspire en bas. Expire. 4. 5. Retire le nombril. 6. 7. Et 8, revenez avec le genou. Retournez les pieds et on va s'asseoir sur les talons. Ouvrez le cœur. Rejoignez les mains derrière, les pouces juste au-dessus du coccyx sur le sacrum. Retirez les coudes et on va tendre les bras si c'est possible. Sinon, les mains sur les coudes. Le menton vers la gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite. Et oui, passez la tête vers le côté gauche. Maintenant, on va arrêter et on va ouvrir la bouche. Et puis, passez ça sur le côté droit. Et on va faire une petite pause. Ouvrez la bouche, lâchez le mâchoire. Et expirez. Si c'est trop intense pour les pieds, on peut pointer les pieds. Maintenant, on va inspirer. Envoyez les mains sous les épaules et on va pointer les pieds. Placez le poids sur les talons et retirez les mains derrière, décoller les genoux. Caler le nombril. 1, 2, et peut-être un peu plus. Et si c'est jamais trop intense, vous êtes ici. Vous restez juste ici avec les mains devant même. 3, et 4. Expire les mains devant. On s'aligne, accroche les orteils. Et on va envoyer les hanches en haut et en arrière. Pousse avec les mains. Plie les jambes. On va expirer, plier. Inspirer, tendre. Expirer, plier. On a des talons décollés. Regardez vers le nombril. Expire.
Expire pied, inspire tendre. Expire pied, inspire tendre. Maintenant, on va pédaler une jambe et l'autre. Puis une jambe et l'autre. Deux. Trois. Et quatre. Expire ici. Et en inspiration, décolle le pied droit en arrière. On va amener le talon vers les fesses et on va dessiner un cercle avec le genou vers l'avant. Passe le genou vers l'avant et puis en arrière. Deux. Veillez que les épaules restent dans une seule ligne. Regardez vers le nombril et en inspiration, on va tendre la jambe. Expirez, regardez vers les mains, aimez les poids dans les mains, dans les épaules et placez le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va garder 90 degrés avec le genou, regarde devant, tirez les bras au-dessus de la tête. En expiration, on va descendre le bras droit et on va pencher vers le côté droite. Et en inspiration, on va se redresser. Expire, pencher. Inspire, redresse. Expire, pencher. Inspire, redresse. Expire, pencher. Inspire. On se redresse. Et on va ouvrir le pied gauche. On va ancrer l'extérieur du pied. Et on va amener le pied droit pour aligner avec le volte plantaire. En Virabhadrasana 2, guerrier 2. Et on va inspirer, renverser. Expirer, coude sur le genou. Le bras gauche au-dessus de la tête, l'oreille, après des biceps, et encore toi. Deux. Un. Expire ici. Placez la main derrière la tête et passez le coude plus en arrière. Deux. Et trois, tirez la main au-dessus de la tête et on va revenir les deux jambes pliées. Et on va faire un petit plié, on va dire un sumo. Hein? On va avoir les pieds tournés à 45 degrés et on va avoir les mains devant. On va inspirer, tendre les deux jambes et on va taper les mains ensemble au-dessus de la tête. Expirez, inspirez. Deux, trois. 4, 5, 6, les fesses vers l'avant, ancrez les orteils, 8, alors 8 encore, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un. Inspire en haut, expire, on va taper soit le genou, la cuisse, ou on va peut-être taper les mains ensemble sous la jambe gauche. Inspire, expire. Deux. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Maintenant sur le côté droit. Un. Deux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va milieu, côté gauche, milieu, côté droit. On va faire encore 3 fois. Milieu, droite, milieu, gauche, milieu, droite, milieu, gauche, milieu, droite, milieu, gauche, la dernière, milieu et droite. Et on va inspirer, tirer les bras au-dessus de la tête, fléchir les jambes et en expiration, on va pousser sur la jambe droite et toucher vers le plafond et puis sur la jambe gauche. Deux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on va aller au niveau d'épaule. 3,
4, on va en bas et puis on pousse sur la jambe. 6, 7 et 8, maintenant en bas. 1, 2, restez très bas. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on va rester bas, mais on va pivoter sur la jambe gauche, sur la jambe droite, sur la jambe gauche, un peu comme une boxeur, ça. Gauche et droite. Maintenant, gauche, droite. On va rester sur le droite et vous allez toucher un peu près le sol, bas. Et on va se relever sur le point de pied. Et on passe les bras vers le côté gauche. On plie la jambe droite et on se relève. Et on pousse sur la jambe gauche pour se relever. On va commencer ici. 1, 2, un petit momentum avec les bras. 3, comme une petite patineuse. 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on va décoller le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va rester ici. Et on va descendre, monter. Descendre, monter. 2, 3, 4, 5, 6, on peut descendre la bras droit, et 7, et 8, et puis on va dessiner le petit cercle vers l'avant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vers l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passe le pied devant, et puis en arrière, créez 90 degrés avec les deux jambes, les deux genoux. OK? Donc on va inspirer les bras en haut, expirer, revenez avec les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va arrêter ici. Et on va rejoindre les mains en prière. On va tourner les torses contre la cuisse gauche. Inspire, tendez. Expire, tournez. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Expire, rejoins les deux pieds. On est debout sur les deux pieds. On va équilibrer notre proie entre les deux pieds, les épaules en arrière. Et on va retourner les paumes en arrière. On va pomper des bras. 2 et 3. Et puis, on va doucement placer le poids dans le pied droit. Et on va faire un petit coup de pied, pied gauche. Et puis, l'autre. Pied droite, gauche. Droite. Et plus vite avec les bras. 1, 2, 3. Tirez une ombre vers le colonne vertébrale. Fixez les yeux sur quelque chose pour votre équilibre. 4, 3, 2, 1. Expire ici. Inspire les bras au-dessus de la tête, ouvrez le cœur. Expiration, plongeons vertèbre par vertèbre vers le bas, pliez les jambes et on va marcher. Et on va trouver 90 degrés avec les genoux. Calez le nombril ici. 1. Écartez les omoplates loin, loin des oreilles. Si c'est jamais trop, vous pouvez lever un peu les fesses. 2 et 3. Expirez les genoux sur le sol. Inspirez, creusez le dos, tirez les épaules vers arrière. Coccyx au sommet de la tête veut rejoindre, levez le menton. Expirez, renversez ça, écartez les omoplates, la tête vers le nombril.
Dieu inspire. Expire. Inspire, ouvrez. Et expire, ferme. Et on va revenir à notre inspiration. Pivotez le tibia à gauche, vers le côté gauche. Tendez les bras, la jambe droite. Et en inspiration, on va ouvrir ça et on va décoller le pied. Et on va sentir notre force. Alors, vérifiez que la main, vous voyez la main qui a un bon alignement avec l'épaule. Et on va lever en flex, descendre en pointe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pointez ça. Et les petites. 5, 2, un petit cercle, 3, 4, 5, 6. Levez le nombre. Activez les abdominaux. 8. On renverse l'action. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8, descende la main droite et remets le tibia gauche, les hanches parallèles au sol, mais on garde le pied, doit décoller. 200, remonte. 200, remonte. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va pousser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200 le genou. On va écarter les genoux. Les gros orteils se touchent et on va pousser en arrière. Descendre les hanches vers les talons. Pousse dans les bras. Creusez le dos, creusez le ventre plutôt. Écartez les omoplates de la tête vers le nombril. 1, 2 et 3. Inspire, on va creuser le dos et ouvrir le cœur. Et maintenant, expiration, tirez les bras loin, 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 loin devant. Et laissez le front toucher le sol cette fois-ci. 2 et 3. Inspire, regardez les mains, engagez les bras. Et on va retirer les mains sous les épaules. Et on va remettre des tibias parallèles. Retourne les pieds. Et en expiration, envoyez les hanches en haut et en arrière. En chien tête en bas. On va rester statique, chien tête en bas. 1, 2 et 3. Expire ici. Inspire, décolle le pied gauche et pliez la jambe, amenez le talon vers les fessiers. On va dessiner les petits cercles vers l'avant. Les épaules sur la même ligne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, tirez le pied vers le haut. Regardez vers les mains. Placez-vous en planche et amenez le pied gauche à l'intérieur de la main. Et on va se relever. Regardez devant et tirez les tailles. Le talon droit toujours décollé. Inspiration, les bras au-dessus de la tête. Et on va expirer, pencher la main gauche sur la hanche vers le côté gauche. Inspire. Les deux bras s'étirent au-dessus de la tête. Expire, penchez. Inspire, je vais tourner comme ça, vous voyez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire ici. Et en expiration, ancrez l'extérieur du pied droit et on va ouvrir un guerrier 2. Les orteils bien activés. Inspire, inversez ça. Expire, coude au genou. 2. 3.
4. 5. 6. Tirez les deux sens. Et une fois encore. Et 8, on va rester ici. La main derrière l'oreille, on va ouvrir le cage thoracique vers le ciel. Ancrer les orteils. La cuisse gauche ouverte. Pousse le genou en arrière. Super. Expire. Et on inspire. Inspire. On va revenir à sumo. Tapono. En bas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. On va commencer sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si ce n'est pas au-dessus, on peut juste ouvrir les genoux. 7, 8, côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en haut au milieu, côté droit. Au milieu, côté gauche. 2. 3. 4. La dernière fois ici. 5. Super. Et on va rester en bas, un peu comme en boxe. On va pivoter sur une jambe et l'autre. Une jambe et l'autre. Reste très bas. Peut-être vous pouvez toucher le sol. 2. De coller un pied et l'autre. Et puis, du coup, on va commencer à tourner les hanches. Côté droit, touche. Côté gauche, on tourne la hanche. Et on va lancer le poids dans le pied. Gauche, pied droit. Lance le poids, plie les jambes au milieu. On va compter ici, 4, 3, 2, et amène les hanches vers l'avant. Quand on se relève, les hanches se lèvent aussi. 1, niveau des épaules, 1, 2, 3, bas, non, hein? Très bas, 5, tirez, 7, 8. Maintenant le sol. 1. 2. Tourne les hanches. 3. Peut-être ce n'est pas le sol, peut-être c'est le cheville. 4. 5 ici. 6. 7. Et 8. Et on va pivoter à droite à gauche. Pivoter à droite à gauche, c'est très très bas. Touche le sol devant les pieds gauche, le sol devant les pieds droite. Encore. Et encore. Et on va toucher sur le sol. Et on va lancer le poids vers le côté droit. Sur le pied gauche, vers droite. On va commencer ici, avec momentum des bras. 2. 3. 4. 5. Sur les bouts des orteils. 7 et 8. Maintenant, on va décoller le pied. 1, 2. Si jamais c'est compliqué au niveau de l'équilibre, bah, accroche-toi à un mur, un meuble. 4, 5, 6, 7 et 8. Ici. On va lever et descendre. Vous pouvez descendre la main gauche. Fléchissez un peu la jambe droite pour bon équilibre. Fixez les yeux sur un truc. 3. 2. Et 1. Dessine-moi les petits cercles devant. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Et 8 et renverser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis derrière, les deux genoux 90 degrés. Tirez, tendez les deux jambes et expirez les coudes vers la taille. 1, 2, 90 degrés. Attention à la jambe gauche, à droite, je veux dire, qui ne dépasse pas, le genou ne passe pas à la cheville. Donc on va toujours le genou derrière la cheville. 3, 2, 1. Restez ici, les mains en prière. On va pivoter contre la cuisse droite et revenez. Expire, inspire. Ouh, équilibre. 2, 3, 4, 5, 6, et 7, et 8. Et en inspiration, on revient. Les épaules en arrière, on va pousser les bras en arrière. Alors vraiment, engagez bien les triceps derrière les bras. 2, 3, et 4. Maintenant, on va lâcher les pieds. 1, 2, plus vite les bras. 3. Alors, plutôt toi. 4, 5, 6, 7, 8. On va aller encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous n'avez pas besoin de lancer les pieds aussi haut que moi. Ça peut être juste sur le tapis. 2. Et 1. Expire ici. Relâche les bras. Inspire. Tirez les bras au-dessus de la tête. Expire. Tirez les hanches en arrière. Pliez les jambes. Tirez les bras au-dessus de la tête. Et en expiration, relâchez le haut de corps. Et secouez la tête, nous. 1, et 2, 3, super. En inspiration, on va se relever vertèbre par vertèbre. Et on va lancer les coudes en arrière, les mains derrière la tête. On va croiser les doigts derrière la tête. Et on va déhancher vers le côté droit. Plier la jambe gauche et amener les deux coudes vers le côté droit. Et puis, on va renverser ça. Encore 3. 2. Et 1. Et en inspiration, relâche les mains. Envoyez les deux paumes ensemble. Expirez, plongeons sur le tapis. Et on va marcher. Et on va se retrouver en planche. Expire. On va descendre en planche, envoyer les coudes en arrière et on va se relonger sur le ventre. On va pousser avec les hauts de pied pour engager les cuisses. Léger engagement au niveau des fessiers et on va tendre les deux mains au-dessus la tête et on va faire la même action de pressionner dans les mains que les pieds. Retirer le nombril, le frein sur le sol. Expire. En inspiration, décoller la main droite du pied gauche. Inspire. Expire, revenez les deux sur le sol. Inspire, main gauche, pied droit. Expire, reviens. 2. Et. 3. Et. 4. Côté gauche. Et 5. Côté droit. Expire. Côté gauche, inspire. Expire ici. Les mains devant le front, secouez. Les hanches à droite, à gauche, pliez légèrement les jambes. Vous pouvez placer des orteils sur le tapis. Accrochez les orteils. Et puis, on va reprendre notre posture. Poussez dans le haut du pied. Tirez les bras au-dessus. Et l'inspiration, on va retirer les mains sous les épaules. Les coudes en arrière, les omoplates en arrière. Et puis, on va décoller les pieds. Expire ici. Inspire ici. Expire ici. Maintenant, on va inspirer
et on va descendre, tendre les bras, le front sur le tapis. Inspire, décoller le tout. Expire. Inspire, décoller le tout. Inspire. Encore une. Expire. Retirez les mains sous les épaules et on va poussez-vous en avant. Alors, écartez les genoux, sauf que vous allez amener la main droite sous la selle gauche et vous allez amener l'épaule droite vers le genou gauche. Placez la tête et tirez les bras au-dessus de la tête. Activez. Deux. Activez les doigts. Trois. Et quatre. Inspire la main gauche sous l'épaule. Amenez les bras devant. Cette fois-ci, vous allez tirer le cœur vers le sol. Les cuisses sont perpendiculaires au sol. Le front sur le sol. Tirez avec les bras. Un. Deux. Et trois. Super. Inspire. Regardez devant. Même chose. L'épaule à gauche vers genou droit. Tirez la main gauche au-dessus. Et on va décoller la main droite au-dessus de la tête. Essayez de tourner le cage thoracique encore plus avec la force de bras. Deux. Trois. Expire. La main droite sous le sol. Et on va revenir à quatre pattes. Quelques rotations de thoracique et hanches. Rotation, sens contre aiguille. Amenez la tête avec deux. Et trois, inversez. L'autre sens. Deux. Et trois, asseyez-vous sur les talons. Et puis, déplacez les hanches sur un côté. Étendez les jambes. Alors, vous les placez un peu au milieu du tapis ici. Vous allez, oh, c'est assez pratique d'aligner les pieds au bord du tapis. Et vous allez garder les pieds alignés, parfaitement flex, nombril calé, les épaules en arrière. Expire ici. On inspire les bras tendus, les pouces vers le ciel. Tirez le coude droit derrière. Regardez le coude, ouvrez, étendez les bras, bougez les doigts. Les deux plantes de pieds toujours alignées. Et expire. Inspire, coude, regardez, ouvrez, tendez. Expire. Côté droit, coude. Bougez les doigts. Expire, fermez. Inspire, tirez l'arc. Ouvrez. Et fermez encore deux fois chaque côté. La dernière fois, vous devez sentir vraiment plus grande avec cet exercice. Expire. Inspiration, les bras au-dessus de la tête. Pliez les jambes, les mains sur les genoux. On va redresser et pousser les épaules en arrière. Alors, ancrez bien les plantes de pieds. Et en inspiration, on va courber le dos, écarter les omoplates, les épaules loin des oreilles, mais surtout solliciter le plancher pelvien et le nombril pour soutenir le dos. Et on va inspirer, on va se relever. Expirer, creuser le dos, écarter les omoplates. Inspirer, on se relève. Deux. Trois. Quatre, quand vous tenez comme un ballon de plage, un gros ballon gonflé de plage. Deux. Et trois, expire ici. Inspire, on va revenir et on va courber le dos une dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va ouvrir la main droite derrière. On va tourner le cage thoracique. Regardez la main droite et expire, fermez. Gardez le nombril calé, gardez le dos. Cambrez comme ça. Deux. Trois. Quatre. Cinq.
5. Trois fois encore jusqu'à 8. Hein? Ça, c'est 6. 7. Et le dernier. Regardez en arrière. Tournez le cœur. Expirez, fermez. Inspirez, tournez. Expirez. Les mains sur les tibias. On va rapprocher les gros orteils ensemble. Et vous allez accrocher les mains au-dessus. Les chevilles. Et on va inspirer, redresser, expirer, on va rouler. Inspirer, redresser, c'est super chouette, c'est rigolo. Donc, inspiration, on est érect. Expiration, on est bien cambré, même la tête rentrée. Alors, on va rajouter un petit plus en inspiration. Vous allez trouver un équilibre avec les pieds qui ne touchent pas. Et on va ouvrir et on va fermer. Expirer, inspirer, ouvrir. Alors, encore 7, 7, 6. Si ça ne marche pas, vous ouvrez pas. Vous pouvez même toucher les pieds au sol. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on va fermer les jambes et on va rouler. On va passer les pieds derrière. Alors, croisez les tibias, les pieds derrière, les mains devant. Et vous allez vous trouver encore une chienne tête en bas. Alors, accrochez les orteils, les mains sous les épaules. Envoyez les hanches en arrière. Et on va décoller la main. Oh, la main. Le pied droit. Expire. Envoyez le genou droit derrière le poignet droit. Et le pied vers le côté gauche. Glissez la jambe gauche en arrière. Et si vous êtes à l'aise, le cœur levé. Si vous êtes un peu... Bon, ça, c'est un peu fermé au niveau de lombaire, un peu compliqué. Vous posez des coudes. Moi, je vais rester un peu levé. Et on va rester ici. Deux. Trois. Encore une respiration. Donc, vous avez le choix d'allonger ou pas. Allonger, c'est l'autre chose aussi, c'est aussi sympa. Alors, en inspiration, on va pivoter et on va ouvrir. Alors, le côté gauche. En inspiration, on va tendre les bras. Et en expiration, on va avancer les mains, tirer. Expire, lâcher. Deux. Trois. Relâchez, envoyez les hanches en arrière. Le plus que vous envoyez le cœur en avant, le plus que les hanches ancrent en arrière. Vous pouvez même pousser avec les bras, créer cet espace dans le dos. Inspirez, regardez vers l'avant. Et on va revenir ferme, gay. Lever plutôt le genou à droite. Et on va passer le genou droit en arrière. Le pied va être pointé derrière. Les genoux bien écartés. On va descendre en arrière sur les mains. On va juste respirer dans la cuisse droite. Deux. Et trois. Super. Expire ici. Et l'inspiration, on va venir vers l'avant. On se met à quatre pattes. Expire les hanches en arrière. En inspiration, de coller le pied gauche vers le haut. Je vais me retourner. Pied gauche. Et envoyez le genou gauche vers le côté gauche, le pied gauche vers le côté droit. Et glissez la jambe en arrière. Vous pouvez vous allonger, poser des coudes ou relever le cœur si vous êtes très bien au niveau du dos. Et aussi que vous sentez que les épaules sont bien relâchées en arrière quand vous faites ça. Vous pouvez vous relever deux. On va rester en 5 respirations bien longues. C'est bien pour le bassin. 2. 3. 4. Et
5. Alors, pivotez vers le côté droit. On va avoir toujours le genou fermé, tirer les bras, flexer les pieds droits. Et en expiration, on va pencher vers l'avant. Pousse les hanches en arrière, mais amenez le cœur vers l'avant. Lâchez la tête, flexez les pieds. 2. Alors, en inspiration, levez le regard et on va marcher les mains vers nous. Levez le genou. Et on va passer le cheville vers l'extérieur, les deux genoux écartés. Alors, on va retirer les bras en arrière et on va respirer en ouverture dans la cuisse. 2 respirations. Et inspire, on se relève, passe les pieds devant et on va s'allonger sur le dos, serrer les genoux vers la poitrine avec les deux mains, passer les jambes sur le côté gauche, côté droit. Roulez latéralement sur le dos. Et on va tendre les deux pieds, les deux jambes, pointez, flex, et croise la jambe droite au-dessus, gauche. Créez comme un petit, on dit lacet de chaussures. Alignez les genoux ensemble, et puis vous attrapez les pieds, les extérieurs des pieds, comme des guidons de vélo. Et vous pouvez lever et descendre, là. Jouer un peu avec angle. Idéalement, les genoux sont alignés. Vous pouvez amener les talons proches et puis en arrière. Et puis, on va lâcher les pieds et on va juste passer les deux jambes vers le côté gauche. Donc, la jambe droite qui est croisée au-dessus gauche va être calée sous le genou, idéalement. Si ça, c'est du fait, c'est pas grave aussi. Et on va regarder vers le côté droit. Et essayez d'ancrer bien l'épaule droite. 2. Et 3. 2. Croise les jambes. Serre les genoux à nouveau. Et puis tendez et croisez cette fois-ci gauche sur la jambe droite. Et amenez les talons proches. Attrapez les extérieurs des pieds comme des guidons. Vous pouvez ouvrir un et fermer. Ça devrait faire quelque chose. Alors, gardez les pieds flexes. Et puis, on va garder le croisement des jambes et on va laisser les deux jambes. La jambe droite prise par la jambe gauche. On va tourner sur le côté droit. Ouvrez. La cage thoracique, regardez gauche. Ancrez bien l'épaule. Lâchez tout ce que vous tenez dans le dos. 2. Inspirez profondément, retenez ça, expirez. De croiser des jambes, amenez les genoux vers la poitrine et attrape les plantes de pied. Bébé joyeux. Ça c'est incontournable dans tous mes cours. Hein? C'est excellent pour le dos, pour le bassin, comme le posture accroupi d'ailleurs. Comme des devoirs, tous les jours, faire ça et accroupir, et vous aurez une excellente santé de dos. Alors, en expiration, vous allez lancer les pieds, vous allez déposer les pieds sur le sol, déposer le corps. Et parcourir les sensations, juste observer tout ce que vous pouvez accueillir. Accueillez tout ce que vous pouvez à l'intérieur, mais aussi mentalement. Amenez les mains sur le cœur et remerciez vous-même, plein de gratitude. Les mains en prière. Merci. Dites merci. On va s'allonger vers le côté droit et on se relève.
Et merci beaucoup pour avoir fait cette super séance de barefoot, fusion de yoga, pilates, un tout petit peu peut-être de cardio box, je ne sais pas. À bientôt.